avoir notre culte dominical. Et avant de pouvoir écouter la parole de Dieu, nous allons prendre un temps de louange et adoration. Et je vais inviter chacun à se lever, car la parole de Dieu dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Voilà pourquoi nous allons exprimer cette joie. Disons « Seigneur, je suis venu dans ta maison, ce n'est pas pour rester assis, ce n'est pas pour rester avec, je sais pas, avec des humeurs, avec la tristesse, parce que Dieu est un Dieu de joie, Dieu est un Dieu qui aime la louange, Dieu est un Dieu qui aime les danses, qui aime les acclamations. Alors nous l'acclamons, alléluia. Nous allons dire « Seigneur, je viens dans ta maison, je suis venu pour toi, Seigneur. » Je ne suis pas venu pour un homme aujourd'hui, je suis venu pour te rencontrer. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Que je suis m'abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Seigneur, je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Avec encore plus de choix, je viens dans ta maison, Seigneur. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Oh, alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. On va le retirer encore une fois. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. M'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, libère-moi. Je veux plus de toi, Jésus, dans mon cœur, dans mon
viens et souffle sur moi. Est-ce que tu peux chanter ce refrain avec moi? Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Toi en ce lieu, Seigneur, est-ce que tu peux répondre, Jésus? Nous voulons plus de toi. Dans mon esprit, Seigneur, tout ce qui me préoccupe, Seigneur, c'est d'avoir plus de toi, plus de ta présence, plus de ton onction, plus de ta gloire, plus de ta présence. Jésus, je veux. Seigneur, plus qu'un soupir, Jésus, je viens dans ta présence, je dis Jésus. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Oh Seigneur, si tu veux vraiment de Jésus, tu vas commencer à élever ta voix. Dire Seigneur, je veux plus de toi. Tout ce qui m'importe en ce moment, Seigneur, c'est de te rencontrer, Jésus. Tout ce qui m'importe, oh Dieu, c'est de pouvoir rencontrer ta face, Seigneur. Tout ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de pouvoir rester près de toi. Est-ce qu'une personne assoiffée de Dieu peut commencer à élever sa voix sincèrement, commencer à exprimer ce désir? Alléluia. Je te laisse parler à Dieu. Seigneur, je suis venu pour te rencontrer. Je suis venu car je voulais plus de toi, car c'est plus fort que moi. Seigneur, mon Dieu, j'ai toujours envie de toi. Je veux toujours plus de ta présence. Oh Seigneur, si je suis loin de toi, mon âme s'assèche, Seigneur. Si je suis loin de toi, mon âme s'assèche, Jésus. Seigneur, comme une tige qui soupire après les courants d'eau, je viens soupirer après toi. Jésus, je veux plus de toi. 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 Je veux plus. Je ne suis pas satisfaite. Je veux plus de ta présence, de ton onction. Jésus, je veux plus de toi. Yes, Baba Shiva, Baba Nabosé. Oh Seigneur, nous voulons plus de ta présence. Oh Seigneur mon Dieu, nous voulons plus de toi, Jésus. Oh, nous voulons puiser à ta source. Dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons rester encore dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons rester encore dans ta présence, Seigneur. Car nous avons besoin, Seigneur, de toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons rester toujours dans ta présence ce matin. Seigneur, viens toucher nos vies ce matin, Seigneur. Viens encore nous parler encore ce matin, Seigneur Jésus-Christ. À travers de ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ta présence, Seigneur Jésus-Christ, soit au milieu de nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, viens toucher mon cœur, Seigneur. Viens toucher ma vie, Seigneur. Viens toucher un cœur, Seigneur. Viens toucher, Seigneur Jésus, une vie, Seigneur Jésus-Christ. Viens restaurer, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te laissons ces instants, ce moment, Seigneur. Viens nous conduire, Seigneur Jésus-Christ. Viens restaurer, Seigneur. À nouveau, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Auquel paix dans ce moment, dans les calmes de ta présence, quand l'esprit faiblit, que tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur mon cœur désire plus de toi. Qui tu es, mon
Seigneur Jésus-Christ, ensemble avec les anges, Seigneur Jésus, ensemble avec le Saint, Seigneur Jésus-Christ, par la reconnaissance de toutes choses, Seigneur Jésus-Christ, je laisse tout en moi entre tes mains, Seigneur Jésus, je m'abandonne, Seigneur Jésus-Christ, je laisse ma vie entre tes mains, Seigneur, toi celle qui vient me parler, Seigneur Jésus-Christ, toi celle qui vient résoudre mes soucis, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma
Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. Seigneur, toi seul, que ce que tu veux faire de ma vie, Seigneur Jésus. Jésus, viens restaurer ma vie, Seigneur Jésus. Viens me parler encore, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Oui, à toi, à toi, à toi j'ouvre mon cœur. Entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. Seigneur, je rends tout en toi, Seigneur Jésus-Christ. Car je vais t'adorer, Seigneur. Seigneur, ma famille et moi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Ensemble avec ton peuple ce matin, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons élever nos voix, Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient les soucis, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous voulons élever nos voix, Seigneur Jésus-Christ, car tu mérites des cris de joie et des acclamations. Alléluia. Que notre voix soit élevée. Au nom de Jésus-Christ, nous te lèvons, Seigneur Jésus-Christ. Yes. Mes yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Mes yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je vais t'adorer, t'adorer. Je vais t'adorer, t'adorer. Je vais t'adorer, t'adorer.
Seigneur, t'adorer. Je vais t'adorer, t'adorer. Je vais t'adorer, t'adorer. Je vais t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, mon roi. Je suis par toi. Je suis par toi. Remercie le Seigneur. Quels que soient les problèmes dans ta vie, quels que soient les soucis, quelle que soit la circonstance, aucune chose dépasse la surnaturelle du Seigneur. Aucune chose dépasse la surnaturelle de Dieu Tout-Puissant. Aucun problème que tu as dans ta vie peut dépasser la solution que le Seigneur peut te donner ce matin. Peut-être tu es venu toucher ou tu as été déceptionné par un problème. Mais ce matin, bien-aimé, je t'invite de chanter ce chant avec moi. Oublie tout ce que tu as. Mets tout ce que tu as à côté. Et viens, viens devant le Seigneur. Il a besoin de toi ce matin. Il veut encore écouter ta voix en train d'adorer. Il veut encore écouter ta voix en train de s'exprimer dans sa présence. Bien-aimé, j'aimerais que tu dises un mot. Là où tu es, j'aimerais que tu dises quelque chose pour ta vie. J'aimerais que tu puisses t'exprimer là où tu es. Que tu puisses dire quelque chose pour ta famille. Il y a quelqu'un qui est touché. Il y a quelqu'un qui est malade. J'aimerais que tu puisses dire quelque chose. Oh, bien-aimé, là où il se trouve, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. C'est ça pour laquelle il a dit à l'homme riche, laissez tout ce que tu as et suis-moi. Ce matin, je t'invite à suivre le Seigneur. Peut-être que tu as encore des doutes, mais je t'invite à t'expérimenter. Expérimenter encore ce que Dieu veut faire dans ta vie ce matin. Alléluia. Nous voulons reprendre ce chant. Dieu, le ciel fixé vers toi. Alléluia. Le ciel fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, mon roi. Être guidé par. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec nous? Le ciel fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Fixé vers toi. Je vais t'adorer.
Il est parmi nous. Alléluia. Il est là parmi nous, bien-aimés. Yes. Est-ce que vous sentez le silence ou le manifeste de Dieu puissant parmi nous? Alléluia. Est-ce que vous sentez quelque chose que Dieu est là parmi nous? Il veut te parler encore ce matin. Alléluia. Il est là présent parmi nous. Il est là parmi nous. Alléluia, bien-aimé. Dispose ton cœur à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il est là. Il veut te toucher encore. Il veut toucher ta vie. Il veut toucher ton âme, ton cœur. Auprès de lui, nous voulons te dire, Seigneur Jésus-Christ, tu es parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Par ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, viens. Nous avons besoin de toi parmi nous, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi parmi nous, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es parmi nous. Seigneur, tu veux restaurer une vie touchée. Seigneur, tu veux parler à quelqu'un à travers de ce moment. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses invoquer la présence de Dieu là où tu es. J'aimerais que tu puisses dire un mot pour que Dieu se manifeste dans ta vie. J'aimerais que tu puisses dire un mot pour que Dieu touche ton cœur ce matin. Alléluia, il est là parmi nous. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, il est là. Alléluia. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là parmi nous, il veut nous parler. Il est là parmi nous, il veut nous toucher. Il est là, il est là, il est là. Oh, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi, Emmanuel est là. On peut chanter avec modération, dire Emmanuel, il est là présent avec nous. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est encore avec conviction. Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emma. Emmanuel est là. Il est fort avec la ferme assurance que tu dis. Il est là, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Même dans ton problème, il est là présent. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Même dans tes soucis, il est là présent. Emmanuel est là. Je veux que tu puisses témoigner encore, il est là présent dans ta vie. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens me parler, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que la musique peut baisser encore? Nous voulons nous exprimer. Nous voulons nous exprimer dans sa présence, car il est là présent.
Est-ce que quelqu'un peut dire un mot? Seigneur, nous avons besoin de ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es là pour nous conduire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens encore nous parler, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens encore restaurer, Seigneur Jésus-Christ, des vies touchées, Seigneur. Seigneur, viens encore nous parler, là, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es là, présent parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Emmanuel est là, ici présent avec moi. De Dieu. Mayo yo yo et mayo yo. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel. Il faut encore le dire une fois. Et mayo yo yo et mayo yo. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Alléluia. Emmanuel est là. Tu es là. Tu es bien. Oh, alléluia. Emmanuel. Dieu est avec nous. Emmanuel. Alléluia. Celui qui change les pleurs en réjouissance. Emmanuel, celui qui console le cœur. Emmanuel, celui qui relève ceux qui sont tombés. Emmanuel, celui qui dit, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Emmanuel, celui qui dit, l'onction de l'Éternel, l'onction de l'Esprit est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Afin d'annoncer la bonne nouvelle, de guérir les cœurs brisés, de renvoyer libres les opprimés. Emmanuel, devant qui rien n'est impossible, il est là ce matin. Ce que tu ne peux faire par toi-même, lui il le peut. Ce que les hommes ne peuvent faire pour toi, lui il peut faire, il peut le faire. Alors ce matin, saisis cette opportunité. Saisis cette opportunité de lui dire, oui, 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 oui. À toi, j'ouvre mon cœur. À toi, j'abandonne tout. Entre tes mains, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur ce matin pour te dire,
tous les chagrins, tous les tremblements, tu trouves dedans. Car lorsqu'on tourne les regards vers lui, dit la Bible, le visage n'est plus couvert de honte. On n'est plus couvert de honte. Et le visage rayonne. Alléluia. Jésus. Sentez sa présence ce matin auprès de toi. Sentez qu'il est là. Sentez qu'il peut faire quelque chose encore ce matin dans votre vie. Car c'est ce devant, c'est Dieu qui est capable de tout que nous nous approchons encore ce matin. Alléluia. Élève tes deux mains. Il est là, il est là. Il est là ce matin pour te consoler. Il est là ce matin pour donner un sens à ce qui n'a plus de sens dans votre vie. Parce que c'est compliqué, parce que tu ne sais plus quoi faire, comment s'y prendre. Il est là ce matin. Alors que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu va déposer dans ton cœur cette forte conviction que les choses changent. Oui, cette action, l'action de l'Esprit va commencer par là. Seigneur, oh, nous sommes là devant toi. Je prie que la main de Dieu, je prie que la main de Dieu puisse se poser sur toi ce matin, afin que ta vie ne soit plus la même, afin que ta situation ne reste plus la même. Ah, nous voulons dire à l'Esprit de Dieu, nous voulons demander à l'Esprit de Dieu qu'il puisse revenir, venir plutôt sur nous et déposer sur nous cet manteau de gloire. Oh, nous voulons que l'Esprit de Dieu, qu'il puisse, alléluia, venir, agir encore dans notre vie. Ce matin, j'ai besoin de cette action. J'ai besoin de l'onction de l'Esprit qu'il puisse toucher ma vie. Toi, fais que vraiment s'abandonner entre ses mains. Saint-Esprit, viens déposer sur nous. Ce matin, ce manteau de la gloire. Saint-Esprit, viens ce matin, dépose sur nous cette grâce qui nous échappe, cette possibilité qui nous amènera encore dans la présence de Dieu plus loin. Vivre les merveilles de Dieu. Je sens que l'Esprit de Dieu est là. Oui, disons-lui. Esprit de Dieu. Oui. Disons-lui cela. Viens parmi nous, glorifie Jésus. Frères et sœurs, je sens qu'il glorifiera le nom de Jésus dans ta vie ce matin. Esprit de Dieu, lève tes deux mains. Viens lève parmi simplement tes deux mains. Nous, ce n'est ni par la force, ni par la puissance Jésus, de la Bible. Ah, par son esprit. Au milieu. Tu te poses, esprit tu te posais les questions jusque-là. Comment ça se fera? Viens parmi nous, glorifie Jésus, au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous.
glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus, au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus. Ta puissance, parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, oui, parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre tous ensemble. Vivre ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Je prie, que la puissance de manifeste ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oui, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Je prie que l'Esprit de Dieu dépose sur toi toute ta vie ce matin. Dépose la gloire du Christ, la gloire du ressuscité, la gloire du ressuscité au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu, Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne ce matin. Visite et parle. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es là. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Oui. Tu es celui qui trace un chemin. Tu es celui qui console nos cœurs. Tu es celui qui glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur.
quand bien même certains détails nous échappent, quand bien même on est dans des interrogations, des comment et quand est-ce que la situation va se décanter, va changer. Seigneur, nous savons que toi tu es là. Tu fais des choses qui nous échappent. Oh Seigneur, merci. Les détails que nous ne contrôlons pas, toi tu les contrôles. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Seigneur, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se je les traverserai avec toi. Seigneur, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Traverserai avec toi.
le Seigneur. Oh, dis-le, je reste à ta pied. Je reste et je resterai à ta pied. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Offrons encore les acclamations à notre Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison du Père. Alléluia. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps merveilleux qu'il nous donne d'être dans sa présence. La Bible nous dit que là où deux ou trois sont ensemble, en son nom, il est au milieu d'eux. Et ce matin, le Seigneur est là. Ce matin, le sujet que je vais aborder, c'est les temps troubles, dans les temps troubles de nos vies. Notez, retenez plus dans les temps troubles que devons-nous savoir et surtout faire. Dans les temps troubles de nos vies, que devons-nous savoir. Dans les temps troubles, nous rendons grâce à Dieu pour le bien qu'il nous fait jour après jour. Et nous le bénissons pour sa protection durant les voyages et les séjours que nous avons pu faire au niveau de la RDC avec tous nos pasteurs de l'Europe, Amérique, et ceux qui sont aussi en Afrique. Parce que nous fêtons, nous célébrons le 25e anniversaire. On était partis pour ça. Le 25e anniversaire de l'existence de Parole du Salut comme église, l'une des églises ou des stations de l'église Laborne. Et dans la même occasion, on célèbre aussi le 25e anniversaire du ministère pastoral de notre responsable international, Pasteur Safari. Voilà, donc, parce qu'il a commencé son ministère pastoral, dirigé une église à Parole du Salut. Et il y a 25 ans de cela, nous avons passé des bons moments ensemble et c'était vraiment très fort et puissant. Et nous bénissons Dieu pour tout le bien qu'il nous a fait. Et notre prière est que nous puissions continuer dans la mission. C'est ce qui nous a été encouragé. Réunissons nos moyens, utilisons tout ce que Dieu met entre nos mains pour la mission, car la mission, c'est notre ADN. D'ailleurs, c'est la recommandation de Dieu pour nous. Alléluia. La mission, c'est rien d'autre que travailler pour le salut des âmes. Jésus dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle et baptisez ceux qui croiront en les faisant des disciples. C'est ça notre mission. Donc nous sommes missionnaires partout où nous sommes. Très heureux de vous retrouver ce matin, car ça commence à devenir long. Ça commence à devenir long pour moi. Et c'est une joie de vous retrouver ce matin. Alors, frères et sœurs, le Seigneur a mis dans mon cœur ce sujet concernant les temps troubles, les périodes. Tant nous voyons une période de la vie, un moment que nous pouvons traverser dans le temps. Le trouble, c'est quand les choses ne marchent pas, quand nous ne comprenons pas pourquoi ça ne va pas, pourquoi ça n'arrive pas à fonctionner. Le trouble peut aussi être considéré comme l'incertitude de notre cœur, l'incertitude qui nous habite concernant l'avenir, concernant notre devenir, concernant la réussite que nous attendons, le résultat que nous aimerons avoir. Cette incertitude provoque, n'est-ce pas, ces troubles. On ne sait pas, on tremble. Et dans ces temps-là, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être saisis par la panique. Or, la panique, c'est la pire des choses que nous pouvons faire. Ou bien un sentiment
très dangereux auquel il ne faut pas céder quand il y a les troubles dans notre vie. Alléluia. Parce que dans la panique, l'homme, il est tellement ailleurs, il voit que le drame qui peut se produire. Dans la panique, l'homme ne sait plus contrôler quoi que ce soit. Et le danger en est que par moment, on va vers même les dangers parce qu'on est paniqué. On s'oriente là où on ne devait pas s'orienter. Dans la panique, on prend ce qu'on ne devait pas prendre. On pose les actes qu'on ne devait même pas poser. Dans la panique, on perd même la vision. C'est-à-dire la vision, quand je parle de la vision là, de la lucidité. La direction qu'on devait prendre, la porte est là, mais tellement on est paniqué, on ne sait plus où se trouve la porte. On était dans un véhicule pendant mon séjour, et puis on s'approche, les policiers nous font un signe de s'arrêter, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Au fait, au Congo, quand certains policiers te font arrêter, en fait, que tu sois en ordre ou pas, il faut quand même que quelque chose se passe. Et puis le policier vient, vous n'avez pas vu le stop, oui, on s'est aussi arrêté. Ah non, 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 où est votre permis? Où ça commence? Et puis, quand tout à coup le policier, moi je voyais ça dans les frères et sœurs, le film, disons le reportage, mais le policier entre la main pour chercher à prendre le contact du véhicule, j'étais là. Comme ça, vous ne sauriez pas. Et l'autre qui cherche à ouvrir la porte était fermée. Et puis, dans la panique, le chauffeur, en cherchant à fermer la porte, il ouvre la porte. La porte était déjà fermée. Voyez-vous ce que la panique peut générer. Et le monté a tourné. Le véhicule était automatique. Il suffisait simplement d'enlever position stop ou pause. Et puis la voiture partait. Ah non! Lui cherchait à demeurer encore. C'est ça la panique. Ça te fait faire des choses que tu ne peux pas. Disons, tu n'es pas censé faire. Frères et sœurs, ce matin, dans le temps trouble dans nos vies, il y a des choses que nous devons savoir. Et puis il y a des choses que nous devons faire. Et d'autres ne pas faire. Ce matin, nous allons prier pour tous ceux qui traversent un moment trouble dans leur vie, pour cause peut-être d'une erreur qu'on a commise, ou bien une décision qu'on a prise, et qu'on se retrouve dans une situation compliquée. Pour cela, j'aimerais quand même que nous puissions comprendre que dans la vie, nous ne traversons pas toujours des moments troubles, des moments de difficultés, des moments de combat, des moments d'épreuve dans notre vie parce que nous avons commis un péché. Parce qu'on a fait des mauvais choix. Non, frères et sœurs. Il y a deux aspects ce matin, nous allons prier. Pour lesquels nous allons prier. Demander le soutien de Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour ceux-là qui demandent, qui cherchent l'intervention de Dieu dans leur vie. Pour cause d'une situation qui ne va pas. Pour cause d'un trouble qu'ils sont en train de vivre. Ou bien un temps trouble. Mais cependant, ils savent qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi. Car il arrive, frères et sœurs, de se retrouver dans une situation compliquée, dans un combat dans lequel on se pose des questions, Seigneur, pourquoi? Il arrive qu'on se retrouve dans une relation, dans un couple, dans un travail qui, pour toi, fait objet de la volonté de Dieu. Parce qu'avant d'accepter ce travail-là, tu avais prié Dieu. Il y avait d'autres choix que tu pouvais faire. Mais cependant, tu as prié Dieu que Dieu puisse t'orienter, que Dieu puisse t'éclairer. Et voilà que tu avais à cœur cette certitude, c'était le choix de Dieu. Tu as fait ce choix, mais cependant tu te retrouves combattu dans ce travail. Tu te retrouves avec des moments difficiles. Avant d'accepter la proposition de cet homme, avant de choisir cette femme,
et de lui demander sa main. Tu as pris le temps de prier Dieu. Tu as pris le temps de chercher Dieu. Et pour toi, cela fait office, objet de la volonté de Dieu. Parce que tu as reçu dans ton cœur des directions du Seigneur. Tu es dans la volonté de Dieu. Parce que tu as prié le Seigneur et tu as eu des indications que tu demandais à Dieu. C'est au nom du Seigneur. C'est au nom de sa volonté. C'est au nom de ce que tu disais, que Dieu t'a parlé, que tu t'es engagé dans cette relation, que tu as fait ce choix. Et d'où vient ces troubles ce matin dans cet engagement? D'où vient ces complications? La première des choses, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que nous sommes dans la volonté de Dieu que nous ne serons pas combattus. La première des choses que nous devons savoir, ce n'est pas parce que nous avons fait, tu as fait un choix de craindre Dieu. Tu as fait un choix sur base de ce que tu crois que était la recommandation de Dieu, que tu ne connaîtras pas de combat dans cette entreprise ou dans cette relation. D'où la raison pour laquelle souvent je dis, ce n'est pas parce que quand ça ne va pas, que nous devons tout de suite commencer à dire que cela ne vient pas de Dieu. Et bien souvent, ce qui vient de Dieu, c'est ce qui est combattu. Mais la Bible nous dit, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je serai avec toi ou je suis avec toi. Nous prierons le Seigneur. Nous demanderons à Dieu de se souvenir que ce n'est pas par ta propre volonté, ce n'est pas par ta propre initiative que tu as fait ce choix, que tu te retrouves dans ce travail. C'est parce que tu l'avais prié. C'est parce que tu avais dans ton cœur cette certitude que cette direction, les choix que tu devais faire, cela c'était sa volonté. C'est sur base de son nom, c'est sur base de sa parole que tu as pris cette décision. Nous prierons le Seigneur qu'il se souvienne que c'est lui qui avait mis dans ton cœur ces sentiments ou cette conviction de prendre cette décision, et nous lui demanderons de s'élever et de se manifester. C'est important. Nous encourageons toujours les couples, surtout plutôt ceux qui ne sont pas encore mariés, de chercher la volonté de Dieu. Nous encourageons toujours ceux qui veulent faire quelque chose, prendre une direction, de prier le Seigneur, de chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, c'est là, quand ça ne va pas, qu'on peut se tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, tu m'avais dit, tu m'avais orienté, tu m'avais parlé, tu m'avais montré que c'était la direction dans laquelle je devais aller. Quand j'ai commencé mon travail, avant même, j'ai prié le Seigneur énormément pour savoir si je devais aller. Ce ne sont pas les opportunités qui m'avaient amené directement à prendre la décision de se lancer, de mettre quelque chose en place. Frère, j'ai pris le temps. Et d'ailleurs, certains collègues me disaient, voilà, c'est comme les autres. Tu dis que tu vas partir, mais tu es là. Regardez l'autre, ça fait 10 ans qu'il est là. Il dit toujours, il devait partir, mais il ne part pas. On te promet que tu resteras là. Moi, je prenais le temps de prier le Seigneur. Dois-je partir? Est-ce que je dois rester ou dois-je partir? Frères et sœurs, quand j'ai eu la parole du Seigneur, cette orientation, que pars, je serai avec toi. Pars, je serai avec toi. Frères, de manière claire, j'ai fait ma démission. Et c'était vraiment incompréhensible pour beaucoup. Et quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de temps de certitude, disons, des interrogations. Est-ce que ça devait aller ou pas? Est-ce que, mais je venais déjà de démissionner. Et puis, je commence, 1 mois, non, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas le travail. Il n'y a rien. Je n'ai pas commencé sur base d'une promesse, d'un contrat. J'ai commencé simplement parce que je croyais que le Seigneur m'avait dit qu'il sera avec moi. Il m'a dit, pars et je serai avec toi. J'ai commencé mon entreprise le 30 juin
2018. Et les premiers contrats que j'ai eus, en tout cas, marché que je devais faire pour un jour, c'était le 26 ou 28 juillet. Il y avait tellement beaucoup des interrogations. Je fais une fois, et puis il n'y avait plus rien derrière. Mais je disais à Dieu, Seigneur, je sais que tu seras avec moi, parce que tu m'as dit cela. C'est pour vous dire que ce n'est pas parce que Dieu te dit qu'il sera avec toi, ce n'est pas parce que tu poses un acte sur base de ce que Dieu t'a dit, que tout va tout de suite, tout d'un coup, commencer à bien marcher. Dieu peut permettre des épreuves, des situations au travers lesquelles il va nous prouver dans un engagement, dans une entreprise dans laquelle nous nous sommes engagés selon sa recommandation. Il peut permettre qu'au départ, rien ne puisse aller. Qu'au départ, qu'il y ait des difficultés. Un mauvais départ, cela n'est pas toujours synonyme de ce que Dieu n'a pas approuvé ou Dieu n'est pas dans l'affaire. Nul n'est épargné d'un temps trouble. Mais cependant, frères et sœurs, lorsque nous nous y trouvons dans un temps trouble, dans un temps où rien ne va, les combats, voire même les disputes, une mauvaise ambiance dans un couple, ça peut arriver. Tu ne comprends pas trop la femme que tu as aimée, tu as épousée, alors qu'au départ, tout allait bien. Tu ne comprends plus cet homme qui t'a montré ses 24 dents, qui pour toi, il était prêt à faire tout. Mais une fois vous vous êtes engagé, les enfants n'est pas une raison de dire que ben, tiens, bon, l'amour se refroidit. Non, tu ne comprends plus cet homme. Il devient un sujet de moquerie, un sujet d'opprobre, un sujet de danger pour toi. Mais cependant, tu avais prié Dieu. Tu avais prié le Seigneur. Est-ce, dois-je m'engager ou pas? Et Dieu t'avait mis à cœur, oui. Tu ne l'as pas fait sur base de tes propres sentiments. Tu as prié le Seigneur. Et aujourd'hui, tu fais peut-être objet de critiques. Les hommes, les gens te pointent les doigts. Ça devient compliqué. Mais cependant, ce matin, j'aimerais dire à un homme, lorsque Dieu est dans l'affaire, lorsqu'on s'engage parce qu'on croit que Dieu, c'est Dieu qui nous a donné cette, je dirais bien, l'aval. C'est Dieu qui nous a dit, engage-toi, et qui nous a dit, il sera avec nous. Je vais dire à un homme, c'est Dieu l'est fidèle. Peu importe ce qui ne va pas aujourd'hui, peu importe les difficultés, il est capable, lui, sur base de sa fidélité, sur base de ce que tu as obéi à sa voix, il sait pourquoi il permet cette situation et il sait comment il va le résoudre. Et surtout, généralement, de pareilles situations finissent toujours pour le bien, à l'avantage de ceux qui se confient à l'Éternel. Et deuxième des choses, j'aimerais quand même dire, avant d'aller plus loin, je sais qu'il arrive qu'on se retrouve dans des temps troubles, dans des temps de combats, de difficultés, parce qu'on a fait de mauvais choix. Et on réalise qu'on s'est engagé sans pourtant consulter Dieu. On réalise qu'on a pris l'initiative de faire quelque chose parce qu'on se disait on est compétent. On réalise qu'on a pris l'initiative de faire quelque chose, de lancer quelque chose parce qu'on se disait j'ai tous les moyens qu'il faut, financiers, matériels. Ou bien j'ai l'âge qu'il faut, je dois me marier. Et puis on fait les choix selon ses propres critères. Et puis quand tout à coup, on se retrouve dans une situation tellement compliquée. On ne sait plus quoi faire. On a l'impression qu'on a perdu le temps. Parce qu'on n'avait pas pris le temps de consulter Dieu. On n'avait pas pris le temps de prier Dieu, de chercher Dieu. Et l'homme en est lui-même le seul responsable. Parce qu'on n'a pas consulté Dieu. Mais cependant, l'expérience de la vie, même de la Bible, nous montre que même ceux-là qui
sont seuls responsables des conséquences de leur vie ou de ce qui les arrive parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu. Quand ils apprennent à s'humilier devant Dieu, à se repentir, à demander la grâce de Dieu, à chercher Dieu, Dieu est capable d'intervenir à leur faveur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ce matin, je vais dire à une personne que rien, que personne, qu'aucune influence ne vienne t'insuffler, te mettre dans la tête que c'est fini. Parce que comme tu n'avais pas prié Dieu, comme tu n'avais pas cherché Dieu, comme tu n'as pas cherché à connaître la volonté de Dieu dans l'engagement dans lequel tu te retrouves au jour d'aujourd'hui et dans les combats dans lesquels tu es, c'est fini. Ta vie s'arrête là. Il n'y aura plus d'autre issue. Non et non, parce que Dieu, la Bible le qualifie de Dieu qui, miséricordieux, il est le Dieu qui accorde la grâce. Alléluia. Car la grâce a pour objectif d'accorder ce que nous n'avons pas mérité. Alléluia. Tu mérites peut-être les souffrances, les difficultés dans lesquelles tu te trouves. Tu mérites peut-être ce que tu es en train de vivre comme conséquence de ta précipitation dans un engagement, ou bien parce que tu n'as pas su maîtriser tes pulsions. Tu n'as pas su faire ce que tu devais faire ou bien refuser ce que tu devais refuser. Ce n'est que peut-être une conséquence logique de tes actes, de tes réactions, ce que tu es en train de vivre. Mais cependant, je sais aussi que la solution, la paix, le changement que tu désires, c'est peut-être pas immérité, mais à cause de la grâce de Dieu, tu peux en avoir. Dieu peut venir à ton aide. Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Dieu ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. Dieu ne se réjouit pas des situations difficiles ou de peines, des souffrances qu'une personne peut traverser. Peu importe qu'il soit coupable. Non. Car il est celui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai des réponses. Amen. Dans les temps troubles de notre vie, Dieu, il est celui qui peut nous accorder sa grâce. Alors que ce matin, ce que tu vis, c'est peut-être l'une des conséquences d'un choix que tu avais fait. C'est-à-dire, tu n'arrives plus à concevoir suite à de nombreux avortements. Mais la Bible dit, lorsque on tourne sa face vers lui, une façon de s'humilier, on n'est plus couvert de honte. Dieu ne rejette personne. Tu vis peut-être les différentes conséquences des pactes que tu avais noués dans le passé. Magie, tu as consulté des devins, des féticheurs, beaucoup. Et aujourd'hui, ta vie semble marquer les pas. Car malheureusement, frères et sœurs, il arrive que dans la vie d'un homme, à un moment donné, suite à des mauvais conseils, suite à des mauvais entourages, ou voire même par notre propre avidité, on peut être tenté d'aller contracter certains pactes parce que tu cherchais la protection pour tes affaires, parce que tu voulais la protection pour ton mariage, parce que tu voulais peut-être je ne sais pas quoi, et tu as été voir chez devin, chez féticheur. Il y a toujours, frères et sœurs, comme on parle de l'envers du médaille, quand le diable te propose quelque chose, derrière, il y a toujours des conséquences négatives. Et ce matin, peut-être tu es dans cette situation où tu commences à sentir que non, 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 ce n'était pas un choix à faire. Il y a des conséquences. Tu n'as plus peut-être ce que tu voulais protéger. Tu n'as plus ces affaires que tu voulais voir prospérer. Mais ta vie est combattue. Plus rien ne va.
Les enfants que tu cherchais peut-être à protéger, en ignorant que Dieu est seul, et le seul protecteur à tout temps. Mais tu as été loin pour protéger, que ce soit ton mariage ou les enfants. Les mariages là, peut-être n'y est plus. Mais les conséquences de pacte que tu as fait est là présente. Je vais dire à quelqu'un, la grâce est là. Si tu t'humilies devant Dieu ce matin, Dieu est capable de restaurer ta vie. Il est capable, il est capable. Il est capable. L'évangile de Christ, ce n'est pas un évangile qui montre que les conséquences, qui présente Dieu comme étant un père fouettard. Non. Dieu, c'est lui qui condamne les péchés, mais il est aussi celui qui nous accorde sa grâce et sa faveur. Nous n'encourageons pas les péchés. Les conséquences du péché, où la Bible parle, la conséquence du péché, c'est la mort. Mais j'ose croire que si Dieu te garde en vie jusque-là, malgré toutes les erreurs que tu as commises, malgré tout le mal que tu as fait, c'est parce qu'il t'aime encore. C'est parce qu'il veut te faire grâce ce matin. Alléluia. Si ce n'était pas le cas, tu allais déjà mourir il y a longtemps. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Toi qui m'écoutes ce matin, la grâce de Dieu est là. Les troubles de ta vie, c'est peut-être dû à tes résolutions, des actes, des décisions que tu as pris un moment ou autre de ta vie. Mais le Seigneur te dit, viens à moi. Comme dans Matthieu 11, verset 28, il dit, déchargez sur lui tous vos fardeaux. Et avant de cela, plutôt, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. C'est dans 1 Pierre 5 que le Seigneur nous parle au travers de l'apôtre Pierre, comme quoi, déchargez sur lui tous vos soucis. Le Seigneur est capable de restaurer ta vie. Il y a une pensée qui monte dans le cœur ce matin par rapport à une jeune. Tu as fait des choses que toi-même tu es peu fier. Peu fier. Si tu ouvres ta bouche pour en parler, tu ne sauras même pas. Tu t'es jamais confié. Parce que ce n'est pas propre, ni à tes proches. Tu as été tellement loin. Dans la saleté. Tu te considères comme sale jusque-là. Ton souhait que tes parents ne sachent pas cela. Mais ce matin, c'est l'appel de Dieu. Il veut pas seulement te pardonner, mais aussi restaurer ta vie. C'est un sacré que tu portes. C'est le temps de pardon et de la restauration ce matin pour toi. Si tu es là ce matin, nous prierons pour toi. Tu n'es pas dans l'obligation d'exprimer, d'expliquer tous les détails. Mais seulement c'est une opportunité que Dieu te donne afin que tu te réconcilies toi-même. Qu'il te pardonne et qu'il t'apporte cette restauration et la paix dans ton cœur. Il y a des hommes qui vivent, il y a des personnes qui vivent, qui n'ont plus la paix au fond d'eux-mêmes. Ils sont dans les troubles. Troubles, frères et sœurs. Alors que j'étais en Afrique, et ce n'est pas la première fois, il m'arrive par moments de me poser la question, avec qui je peux être en problème, ou bien envers qui je dois quelque chose, parce que je n'aimerais pas faire objet peut-être de la haine ou de déception pour quelqu'un.
Quoi que nous fassions, il arrivera toujours que quelqu'un puisse nous définir de mauvaises manières ou bien interpréter mal ce que nous faisons. Mais quand, frères et sœurs, nous avons conscience nous-mêmes, je sais que tu n'as rien fait du mal, tu ne sais rien, qu'il te condamne, mais ces condamnations seront sans effet. Alléluia. Mais cependant, si tu sais que tu as fait mal à quelqu'un, tu as posé des choses atroces, des actes atroces qui ont détruit la vie des uns comme des autres, des personnes, là tu portes une lourde responsabilité. Et ça, ce n'est pas bon. Cherche à réparer ce qui est réparable. Parce que tu peux vivre sous ce poids de culpabilité jusqu'à la fin de tes jours. Ô combien peut-être sont sous ce poids de la culpabilité, ce qui génère le trouble dans leur vie. Mais ce matin, c'est un moment où Dieu te dit, je suis là pour t'accorder le pardon tant entendu et restaurer ta vie. Il suffit seulement que tu fasses ces pas de la repentance, de s'humilier devant moi. Nous prierons pour toi. Nous prierons pour toi et le Seigneur t'accordera cette paix. Tout ce qui se lève comme voix pour te condamner. Car il y a des moments, frères et sœurs, alors que nous sommes dans notre coin, dans notre maison, nous dormons, il y a peut-être des voix qui nous condamnent. Il y a des gens qui nous condamnent, qui nous maudissent pour cause du mal que nous leur avons fait. Rappelez-vous que Dieu dit à Caïn, il dit, où est ton frère Abel? Parce que son sang crie. Frères et sœurs, combien par moment nos actes crient contre nous? Combien par moment le mal que nous avons fait crie contre nous? Et puis, on relativise. Ce matin, le Seigneur te dit, il est là pour t'apporter cette paix. Dans les temps troubles, la première des choses que nous devons savoir, Dieu est là présent. Dieu est là. Peu importe que nous ne le connaissions pas, il est là. Alléluia. Parce que Dieu est présent. Dieu est partout. La Bible nous montre qu'il est omniscient. Nous chrétiens ou évangéliques, lorsque nous parlons de ce que Dieu est là, est avec moi, cela prend encore une connotation de dire que le Seigneur est à ma faveur. Le Seigneur, il m'a promis d'être avec moi. Il agira à ma faveur. Je suis dans sa présence. Ça va encore plus loin. Mais quand je dis Dieu est là, c'est parce qu'il est partout. Il est prêt à répondre, présent. Il est prêt à porter son aide à quiconque l'invoque. Alléluia. Même dans une boîte de nuit, Dieu est là. Il regarde, il voit. Frères et sœurs, rien ne peut échapper à Dieu. Quand nous parlons de la omniscience de Dieu, cela veut dire que il voit tout et il sait tout. Omniscience. Il est partout, voilà. Omniprésence, excusez-moi. Omniscience, il connaît tout. Omniprésence de Dieu, il est partout. Il est partout, le Seigneur. Là où les mâles se font, Dieu voit. Il y en a qui ont témoigné la visitation de Dieu même dans les boîtes de nuit. Comment expliquer ça? On l'amène dans une boîte de nuit et puis là, Dieu l'a rencontré. Dieu l'a rencontré. J'arrive en Europe, il y a quelqu'un qui m'invite en disant, est-ce que tu peux m'accompagner? Je ne savais pas, bon, je le connaissais. Et puis on arrive, je ne sais pas si c'était à Roubaix ou où. Frère, ça n'avait rien de l'air de boîte de nuit. Le gars dit, mais tiens, viens, on rentre. On rentre comme ça. Frère,
je vois les gens étaient en train de danser. On me présente une chaise, frères et sœurs. Je m'assois, mais je dis, je croyais que c'était une fête, mais je me rends compte, c'était une boîte de nuit. J'étais pas bien et je devais sortir. J'ai dit non, c'est pas possible, ça c'est pas mon endroit. J'ai dit non, mais je m'assois, je vois. Moi je croyais que c'était une fête, je me rends compte que c'était une boîte de nuit qui n'avait pas l'air de l'être à l'extérieur. Dieu était là. Dieu est partout, frères et sœurs. J'ai dit à quelqu'un ce matin, alors que tu peux dire, je ne connais pas encore le Seigneur, je ne lui ai pas encore donné mon cœur, mais dis-toi que Dieu est avec toi. Amen. Il est avec toi pour t'accorder ce pardon, restaurer ta vie. C'est important. Dans les temps troubles, alors que nous avons fait le choix de suivre Jésus, de faire la volonté de Dieu, nous pouvons voir dans Matthieu, j'aimerais juste que nous puissions voir ces références et puis on va prier dans 5 à 10 minutes. Psaume chapitre 23. La Bible dit ceci, Psaume chapitre 23, à partir du premier verset. Il est écrit dans la parole du Seigneur, c'est David qui parle dans Psaume 23. J'avais donné des références, merci beaucoup. Quand tu dis David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3, il restaure mon âme. Il me conduit dans le chantier de la justice à cause de son nom. Dieu me conduit dans le chantier de la justice à cause de son nom. Quand je marche, verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Hein, me rassurent. Frères et sœurs, David, il dit, il me conduit dans le chantier de la justice. Je m'adresse à un homme, je m'adresse à une femme. Ce matin, alors que tu marches dans le chantier de la justice, alors que tu fais des choix, que tu crois que cela honore Dieu, alors que tu as fait le choix de ne pas marcher comme tout le monde, de ne pas agir comme tous les autres jeunes, de ne pas poser des actes comme tout le monde, et surtout des actes qui déshonorent Dieu. Tu crains Dieu, mais tu te retrouves dans des moments troubles. Tu crains Dieu, mais tu te retrouves dans des moments des épreuves. Tu crains Dieu, mais tu te retrouves dans des situations où tu te poses des questions. Quel mal as-tu fait? Rien ne va. C'est compliqué. Rappelez-vous, la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Ce n'est pas toujours parce que nous avons péché, je le disais, que nous nous y trouvons, où on peut se trouver dans des moments difficiles ou dans des temps troubles. Non, frères et sœurs. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit la première des choses, tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Dieu est avec toi. Sache-le que Dieu est avec toi. Puisque tu fais le choix, où c'est que tu vis, là où tu es, dans le foyer dans lequel tu es, ta vie, la manière dont tu l'amènes, tu sais que tu crains Dieu. Mais ça ne va pas. Mais dis-toi que Dieu est là. Il ne t'a pas abandonné. Et lorsque ce temps-là est présent, la deuxième des choses que j'aimerais que tu puisses prendre conscience à faire, c'est de s'appuyer sur lui et lui seul. Amen. Puisque la vie nous enseigne, cette expérience de la vie nous enseigne que qu'on craint Dieu ou qu'on ne le craint pas, nul n'est à l'abri des temps troubles. Ceux qui craignent le Seigneur connaissent des moments troubles. Ceux qui ne les craignent pas connaissent aussi les moments troubles. Mais la différence en est que ceux qui connaissent le Seigneur, quand des moments troubles, des moments d'incertitude, des moments de combats, la diversité est là, nous savons s'appuyer sur un homme. Nous savons s'appuyer sur une personne, notre Dieu. Alléluia. Parce qu'il nous a dit, je serai avec toi. Frères et sœurs, je veux dire à cette personne qui souffre ce matin, qui se pose des questions, pourquoi la mort ne cesse de frapper ma famille? Pourquoi l'échec
ne cesse d'être frappé la vie de mes enfants. Pourquoi? Complication sur complication. Frères et sœurs, il y a des choses par moments, personne ne pourra te l'expliquer. Et surtout te dire les pourquoi. Dieu seul sait. Et il y a des moments où même quand tu cherches Dieu, il se réserve ce droit de ne pas t'expliquer le pourquoi, parce qu'il est souverain. Alléluia. Et ce que lui, il attend seulement à ce moment-là, c'est que tu lui fasses confiance. S'appuyer sur Dieu dans le temps trouble, c'est le synonyme de lui faire confiance. De savoir qu'il est là. Il est là. Je dis souvent dans l'église, chacun a son combat. Quand nous venons à l'église, frères et sœurs, il arrive par moments que nous puissions bénéficier des sourires de façade. Façade qui n'est pas mauvaise. Hein? Ce n'est pas mauvais. Mais la personne qui te sourit, elle peine dans son cœur. Elle pleure. Rien ne va. Quand elle rentre, elle pleure parce qu'elle a tellement de combats. Peut-être c'est lui ou celle qui est à tes côtés. Elle est dans une situation où, quand elle rentre chez elle, elle pleure. Elle pleure, elle cherche Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer quels sont ces combats et ces batailles. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai dit souvent, il y a des combats par moments qui ne disent pas son nom. On se gêne, on n'est pas prompt à le dire. Parce que c'est tellement compliqué. C'est troublant. Et par pudeur, nombreux sont ceux-là qui ne font pas part à ce qu'ils vivent. Ils traversent par respect, par pudeur. Et d'autres pour ne pas surcharger encore les autres. Ils disent, je vais l'amener, ce combat tout seul. Ce matin, dis-toi que nous sommes en famille. Si ce n'est pas conseillé de relater ces problèmes à tout le monde, dis-toi que tu peux faire confiance à certaines personnes. Responsable, moi-même je suis là, nous pouvons te soutenir dans ces combats. Mais cependant, il arrive qu'on se retrouve seul et qu'on amène un combat seul. Et pendant ce temps-là, ces temps-là, si tu sais que tu marches droit devant Dieu, alors frères et sœurs, appuie-toi sur le Seigneur. La première des choses, je dis, s'appuyer sur le Seigneur, cela sous-entend lui faire confiance. Parce qu'il a dit, il sera avec toi, dis-toi que tu n'es pas seul, il est avec toi. La deuxième des choses, s'appuyer sur le Seigneur. Pour moi ce matin, pour nous ce matin, cela sous-entend de garder sa parole. Garde sa parole. Je vous disais, quand j'ai commencé mon travail, j'avais cette parole de Dieu. Et je l'ai entendu dire, va, je serai avec toi. J'ai prié le Seigneur. Je n'ai cessé de dire à Dieu, Seigneur, tu m'as dit, tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Au jour d'aujourd'hui, quand rarement une semaine que qu'on ne puisse pas voir quelque chose, quand ça tarde ou bien c'est calme, je ne prie plus Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin, donne-moi, frères et sœurs. Je me dis simplement, voilà, ah, la trésorerie permettra de régler les charges et puis j'attends quand ça va venir parce que je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. Il arrive par moments que nous faisions des prières par panique. Chasser les démons là où ils ne sont pas. Rompre des chaînes là où on n'est pas enchaîné. Parce qu'on est dans la panique. Je veux dire à quelqu'un, même quand ça ne va pas, sache que Dieu est là avec toi. Quand même tu es combattu, quand même la diversité est là, du moment où tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, sache que Dieu est là, fais-lui confiance. Ce n'est pas nous qui définissons le temps et les circonstances,
au travers lequel les choses vont commencer à changer, où la solution sera là, c'est Dieu lui-même. Alors faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Et retiens sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ah, je dis à cette femme qui avait prié Dieu. Je dis à cette personne qui avait prié Dieu avant de s'engager dans cette relation, dans ce couple. Alors que tu t'es engagé en croyant, en ayant cette conviction que c'est Dieu qui avait validé ton choix. C'est Dieu qui avait dit va. C'est Dieu qui t'avait donné cet homme. C'est Dieu qui t'avait donné cette femme. Mais aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, il y a peut-être la stérilité dans ce couple. Aujourd'hui, on te juge mal. Aujourd'hui, rien ne va. Mais du moment où tu sais que tu avais fait ce choix selon la volonté de Dieu, je te dis, ne te panique pas, car Dieu est là. Et il finira par t'honorer dans cette relation. Il finira par changer la situation à ta faveur parce que tu as fait le choix selon sa volonté. Il défend toujours ce qui est juste selon lui, selon sa volonté. Nous l'avons vu dans Psaume 36, verset 37, 28, 26 à 27, je crois. La Bible dit, Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Frères et sœurs, tiens-toi bon, retiens la parole. Il y a un homme qui a agi selon la parole. Dans Matthieu chapitre 14, versets 23 à 30, et Matthieu 26, 36 à 44, la Bible nous parle de l'histoire de Pierre. De Pierre qui va expérimenter la gloire de Dieu. Alors qu'il y avait ce temps trouble, Matthieu chapitre. Quand il lui a envoyé, il monta sur la barque, la montagne plutôt pour prier, à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot. Était battue. Il y avait la mer qui s'agitait. Et la Bible dit, car le vent était contraire. Verset 25, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et la Bible dit, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et dans ces troubles, et il dit, c'est un fantôme. Là, ce trouble-là, ça prend la forme de panique. Ils firent paniquer. Alors que Jésus est là, c'est lui qui vient vers eux. Et il crie fantôme. Oh, par moments, frères et sœurs, ce que tu es en train de dire, c'est le diable. La maladie, les combats que tu es en train de traverser, où tu dis c'est les hommes, ce n'est pas les hommes qui sont derrière, c'est Dieu lui-même. Pardon. Parce qu'il t'éprouve. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu peut utiliser plusieurs situations. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec eux. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'était pas un lieu dû, physique. C'est une expression que les Israéliens utilisaient pour dire, même ici, hein, quotidiennement, on parle de l'ombre de la mort. Frère, c'était une expression qui disait, quand je suis dans des situations périlleuses, quand je suis dans des situations où je ne sais plus quoi faire, comment m'en sentir, s'en sortir, je sais que tu es avec moi. Dieu est avec moi, mais je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Dieu est avec moi, mais les problèmes sont là. Jésus arrive, la mer s'agite. Et les disciples ont dit, ces fantômes, ce que tu es en train de vivre, par moments ce n'est pas forcément le diable. Dieu le permet simplement pour t'éprouver. Savoir jusqu'où tu lui resteras fidèle. Ou jusqu'à quand tu lui feras confiance. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Je te décourage ce matin de vouloir tout régler par ta propre force. Par tes propres moyens. Ce n'est pas le bon choix. Il arrive. Et puis là, ils disent ces fantômes. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Le verset 27, la Bible de Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et puis Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Le verset 29, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et la Bible nous dira, mais voyant que la
le vent était fort. Il eut peur et comme il fonçait, il commençait à foncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et là, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Verset 31, le Seigneur va faire quoi? Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et le verset 32, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Frères et sœurs, Pierre sort parce que Jésus lui dit, viens. Et c'était normal que Jésus soit là. Quand Pierre commençait à enfoncer, quand Pierre appelait Jésus au secours, c'était normal que Jésus puisse lui tendre la main. Parce qu'il n'est pas sorti de son propre chef. Je te rassure que le Seigneur te tendra sa main. Parce que tu n'as pas pris la décision par toi-même. Je te rassure que le Seigneur est avec toi et tu verras sa main. Amen. Ça, c'est important. Quand on prie, on cherche sa volonté. Il est toujours celui qui nous montre qu'on n'a pas commis une erreur. Et pour terminer, dans Matthieu chapitre 1, 26, 36 à 44, et là, ça nous montre que quand ça ne va pas, s'appuyer sur lui, c'est prier. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Et le verset qui suit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Jésus est dans un temps trouble de sa vie, son âme est triste jusqu'à la mort. Il leur dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Alors qu'il est dans les temps troubles, il pria, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers le disciple qu'il trouva endormi. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Le verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le verset qui va suivre, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Dans son temps trouble, il ne cesse de prier pour chercher la volonté de Dieu. Il dit, mon Père, il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Que ta volonté soit faite. Et le verset 43, il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisissants. Hein? Apaisant-il plutôt. Il le quitta et il s'éloigna et il pria pour la troisième fois, répétant le même parole. Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe avant que je la boive. Mais toutefois que ta volonté soit faite. Les temps troubles, Jésus le voit la mort devant. Il sait qu'il sera arrêté, il prie Dieu. Frères et sœurs, il y a des moments où tu sais que la messe est déjà dite. Tu sais que tu détiens déjà le rejet. Cette réponse négative. Quoi faire? Je vais t'encourager de continuer à s'appuyer sur Dieu. Parce que par moments, le Seigneur permet que la mort soit là pour glorifier son nom. Rappelez-vous, concernant la mort de Lazare, il dit cette mort, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Lazare est mort, Jésus vient, il ressuscite Lazare, et là, c'est le nom de Dieu qui a été glorifié. La mort n'est pas la fin pour Dieu. Tu as l'impression d'avoir perdu cet homme. Tu as l'impression d'avoir perdu peut-être la femme que tu aimais. Tu as l'impression peut-être d'avoir perdu l'honneur que tu avais. Tu as l'impression, le fait que tu as été humilié, c'est fini pour toi. Non, Dieu est celui qui redore l'image d'une personne. Dieu est celui qui relève celui qui est tombé. Dieu est celui qui nous redonne ce que nous avons perdu. Dieu est celui qui redonne pas seulement la joie,
Dieu est celui qui redonne pas seulement la bénédiction qu'on avait perdue, il est celui qui nous donne même plus. Frères et sœurs, ce matin, appuie-toi sur Dieu. Tu as connu peut-être l'échec, mais dis-toi que le succès qui est devant toi sera plus grand, plus glorieux. Les hommes t'acclameront plus qu'ils t'ont détesté ou humilié après ton échec. La vie de ceux qui réussissent aujourd'hui pourront nous enseigner énormément de choses. Vous allez voir que la plupart qui ont reçu, ils ont souvent, avant de réussir, connu la bassesse, c'est-à-dire des moments d'échec, des moments difficiles dans leur vie, des épreuves, des humiliations. L'humiliation n'est pas la fin, l'échec n'est pas la fin. Je t'encourage dans ton temps trouble de savoir que Dieu est avec toi. Prends conscience, il est avec toi. Deuxièmement, appuie-toi sur lui et lui seul, en lui faisant confiance, en saisissant sa parole et en le priant encore et encore, car il finit toujours par répondre favorablement, agir en faveur de ceux qui se confient à lui. Alléluia. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prendre ce temps dans la prière. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre de prier, de dire. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. C'est une façon de lui Seigneur, dire, je n'abandonnerai pas. Les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Seigneur, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Seigneur, tu domines les tempêtes. Je me confie, force à mes puissants, en Jésus. Je me confie, me force calme et puissant, force calme et puissant. Même si les océans se déchaînent, moi je les traverserai. Ah.
Commence à prier le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je suis tranquille. Je ne cède pas à la panique. Ne cède pas à la panique. Ne cède pas au désespoir. Ne cède pas, frères et sœurs. Ah, sois tranquille. Ton Dieu est là. Ton Dieu est avec toi. Et robo shakarabara samama. Garobo shakarababa. Et robo shakarababa. Et robo shandorobo shakere bébé. Reste tranquille. Il est celui qui n'abandonne pas ce qui se confie à lui. Il est celui qui ne déçoit pas ce qui se confie à lui. Ah, il finira par agir à ta faveur. L'Éternel finira par agir à ta faveur. Oh Dieu, Yerobo Shayama Mama, Shandorobo Saka. Ah, il ne te laissera pas à la merci de tes ennemis. Il ne te laissera pas à la merci de tes ennemis. Il te défendra. Il te défendra. Il te défendra. Oh, même si tu ne le vois pas. Même si tu ne le sens pas. Sache qu'il est là. Même quand tu ne sens rien. Même quand tu penses comme si la mort est devant toi. Il est là. Il est là. Même si. Même si. Quand je ne sens rien. Dieu est là. Il est là. Il est là. Présent. Au milieu. Il est là, il est là, il est là présent, il est là. Oui, même quand je ne sens rien, Dieu est là. Oh, Robo Sheka, ma Robo Sheka Rababa, et Robo Sheka Rebessa Mama. Oh, non, Robo, il est là. Il est là, présent parmi nous. Chante-le avec conviction. Je t'adore. Oh, oui, oui. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Présent. Présent parmi nous. Il t'a fait. Il t'a pas abandonné. Il est avec toi, je t'adore. Oui, tu es là. Agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Oui, tu es là. Tu es là. Papaya, papaya, oui. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu traces. Tu traces un chemin, tu traces un chemin, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, au cœur de miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, au cœur de miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es.
tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le sens pas, je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras. Et quand je ne le sens pas, je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras, tu agiras, tu agiras, tu agiras. Et quand je ne le sens pas, je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras, tu agiras. Tu agiras encore. Oh, Seigneur, il agira, ton Dieu, il agira encore. Fais-lui confiance, continue à lui faire confiance. Il est là, oh, finira à ta faveur. Cette situation finira à ta faveur. Dieu changera la situation à ta faveur. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Et Robosayama. Car Roboseka. Chando Roboseka. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur. Il est là, il est là. Ne laisse pas l'ennemi venir te tromper. Ne laisse pas à l'ennemi, ne laisse pas au diable de venir te tromper comme si tout est fini pour toi. Rien n'est encore fini. Ah, la situation finira par ta faveur. Dieu finira par agir à ta faveur. Les choses finiront par finir à ta faveur. Tu auras cette guérison. Tu auras cette réussite, ce succès que tu attends de la part de Dieu. Cette porte finira par s'ouvrir pour toi. Même si tu es combattu aujourd'hui, dis-toi que Dieu est avec toi. Tu auras la victoire sur tes ennemis. Car la Bible dit, même quand il te jette 10 000 flèches, 5 000 tombera à ta gauche et 5 000 à ta droite. Aucune flèche ne t'atteindra. Ils te combattront mais ils ne te vaincront pas. Dieu est au contrôle de cette situation dans laquelle tu es. Il est au contrôle. Pierre a dit, sur ta parole je jetterai le filet. Et il n'a pas été déçu. Puisque tu t'es engagé sur la parole du Seigneur. Sur sa recommandation.
tu ne seras jamais déçu. Je te rassure, femme, toi qui se poses depuis un certain temps de multiples questions, est-ce que c'était vraiment le choix de Dieu? Cet homme-là, c'est ton homme. Je le dis encore, c'est lui que Dieu t'a donné. Le temps qui vient, tu verras le meilleur que Dieu sortira au travers de cet homme. Et par cet homme, ta vie sera encore bénie. Richement bénie. Alors lève-toi. Ne laisse pas l'ennemi te surprendre. Saisis la parole. Crois que Dieu est avec toi. Et continue à prier. Jésus, j'ai que rêvé, Jésus, il est là, Seigneur. Ce matin, alors que nous voulons prendre la Sainte Cène, nous allons le dire ensemble, entre tes mains, j'abandonne. Tout, Seigneur. Que tu prends tout. Alors que nous nous préparons à célébrer la Sainte Cène, je resterai ici, je serai dans mon bureau. L'appel que j'ai lancé concernant cette jeune fille, viens me voir, je prierai pour toi. Disons à Dieu ce matin, entre ses mains. Entre tes mains, j'abandonne. Oui, prends tout, Seigneur. Alors que j'appelle la sœur Sophie, j'appelle Mama Titi pour venir célébrer, faire le service de la Sainte Cène. Et je vais appeler le couple Calonge pour servir à la table ce matin. De la Sainte Cène. Papa Calongé, Mama Cathy, venez. Et Pasteur César va nous conduire pendant ce temps de la Sainte Cène. Merci. Seigneur Jésus,
Merci parce que c'est toi qui es venu vers nous. Merci parce que c'est toi qui as eu l'initiative de venir auprès de ton peuple. Un Dieu qui a revêti le corps humain pour venir sauver l'humanité. Père, nous nous abandonnons encore, Seigneur, ce matin entre tes mains. Nous voici, Père de gloire, nous approchons devant toi afin de partager ces repas. Seigneur, conformément à ta parole, et nous voulons le faire, Seigneur mon Dieu, en signe de témoignage, Seigneur mon Dieu, de témoigner ta parole, ce que tu as dit, parce que ce que tu dis, ça s'accomplit. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, je t'ai béni parce que tu es venu auprès de nous. Tu nous as cherchés, Seigneur mon Dieu, et tu t'es livré en pâturage, Seigneur mon Dieu. Tu as donné de ta vie pour que nous, qui étions considérés morts, puissions avoir la vie en toi seul, Jésus-Christ. C'est pour cela que nous te bénissons, nous te glorifions. Alléluia. Avant de partager, j'aimerais bien qu'on puisse lire Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26, on va lire des versets après. On va passer par le partage des repas des Saintes Cènes. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les remplit et les donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci et mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Amen. Bien-aimés, nous allons partager ces repas ce matin. Christ, il n'a pas été tué, mais il s'est offert, il s'est donné lui-même pour l'amour qu'il a pour toi. Pour l'amour qu'il a pour moi, il a accepté de revêtir ses corps charnels pour toi parce qu'il t'aime. Et il ne s'est pas arrêté là, il a accepté de subir l'humiliation pour toi et aller jusqu'à la croix, cet infâme bois qui était destiné aux pécheurs, lui qui n'a jamais commis de péché, pour nous donner la vie. Il a accepté et déversé son sang, que son sang coule pour la rémission de nos péchés. Sans cela, on n'était même pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Seigneur, notre Père, je te prie, Seigneur, mon Dieu, pour ces hommes et Pères de gloire qui ont accepté de passer par les eaux des baptêmes, hein, qui sont là ce matin, Père de gloire. Seigneur, qui veut partager avec toi ces repas, car tu as dit de faire ça continuellement jusqu'à ton retour. Seigneur, nous voulons partager ces repas dignes, Père de gloire. Ce pain qui a été fait aux mains d'hommes, ainsi que ces vins qui ont été faits par des hommes et pères de gloire. Mais Seigneur, je sais en ce moment que ces vins représentent, et pères de gloire, ton sang qui a coulé. Le sang de l'Alliance, le sang de la rémission des péchés, le sang qui guérit. Père, que ces pains qui représentent maintenant, Père de gloire, ton corps meurtri, ton corps qui a accepté d'endurer la souffrance pour nous. Seigneur, laisse qu'à ce moment, Père de gloire, que nous allons partager ces repas, que ces repas donnent vie. Que ces repas restaurent les vies, Seigneur mon Dieu. Que ceux qui sont malades, Père de gloire, en prenant ces repas, Père de gloire, qu'il y ait la guérison de Dieu qui rentre dans leur vie. Ceux qui sont troublés, Père de gloire, ceux qui traversent les moments de tempête, Père très saint, tu nous as dit que tu es le bon berger. Père de gloire, élève-toi. Élève-toi. Que ta paix rentre.
Que ta paix rentre dans la vie de tout un chacun, Père de gloire. Seigneur, bénis, Père, ces moments. Sanctifie ces repas. Purifie-les par ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as aimés. Merci parce que tu nous as aimés et tu nous as choisis. Merci. Amen. Je vais demander au frère Francis de lever sa voix afin de prier pour le pain. Et après la prière des frères, nous allons manger du pain en attendant une deuxième prière pour partager du vin.
Seigneur Dieu, Papa, nous te disons merci, éternel Jésus, merci. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que Seigneur Dieu t'a fait pour nous, Seigneur. Tu t'es sacrifié, Seigneur, de toi-même et tu t'es livré, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous avons cette liberté, Seigneur, parce que tu t'es donné, Seigneur, pour nous. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour tes sacrifices. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, parce que pour tout ce que Seigneur Dieu t'a fait pour nous, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous avons, Seigneur Dieu, la paix. Nous avons la liberté, Seigneur, même de célébrer, Seigneur Dieu, Papa. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu t'es livré, parce que tu as payé un prix, Seigneur, à la croix. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Mangeons du pain ensemble. Je demanderai au pasteur Alain de prier pour le vin. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus sur la croix. Il s'est donné pour nous. Jésus, tu as dit, ma vie, on ne me l'arrache pas, mais je la donne. Merci pour la vie que tu as donnée sur la croix, ta vie, car c'est par elle que nous avons la vie. Merci pour le sang coulé sur la croix, pour notre pardon du péché, pour notre sanctification, justification. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Sanctifie cette coupe, car c'est en mémoire de ton sang versé sur la croix que nous prenons cette coupe ce matin. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Vivons ensemble. Merci, Seigneur. Car je crois, Seigneur mon Dieu, à ta parole. Père, merci parce que tu as dit que ce sang, tu l'as déversé pour nous sauver. Que ton corps, tu l'as donné pour nous offrir encore la vie. Quiconque, Seigneur mon Dieu, qui mangera et qui boira, Seigneur, de ces coupes, aura la vie en Jésus-Christ. Et nous croyons à cela, Seigneur. Laisse que cela, Père de gloire, soit opérationnel dans la vie de quiconque a pris ses repas ce matin. Père béni, Seigneur, la vie de tout un chacun. Merci, Père. Aide-nous, Seigneur, afin de continuer toujours à fixer notre regard vers toi. Seigneur, je ne sais que te dire merci. À ton nom, Jésus, j'ai prié, j'ai dit amen. Merci. Faites ceci en mémoire de moi, en souvenir de moi, pour que nous ne puissions pas t'oublier. Ce matin, c'est à l'obéissance encore de ta parole, de ta recommandation que nous réunissons autour de cette table, mais aussi pour ne pas t'oublier. Une façon de t'exprimer notre reconnaissance, en te disant merci pour ta vie que tu avais donnée, en te disant merci pour la vie que nous avons ce jour, au travers de ta mort. Merci pour l'accès au salut que nous avons à ce jour au travers de ton œuvre de la croix. Puisse ton nom être toujours au-dessus de tous les autres noms. Et que tout genou, tel que ta parole dit, puisse fléchir devant toi, ainsi que les nôtres, pour un symbole, un signe de notre reconnaissance de ta Seigneurie dans nos vies. Merci. Au nom de Jésus. Je suis l'amour au
Avant de passer aux annonces, j'aimerais que nous puissions offrir au Seigneur. Il est temps de pouvoir apporter à la maison du trésor ce que nous avons prévu pour le Seigneur. Il y a les paniers à ma gauche et aussi à ma droite. Pendant ce temps-là, je vous invite à vous lever, qu'on puisse donner avec joie pendant que la chorale nous conduit dans un chant. Comme ça, on peut donner le Seigneur avec joie. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de ton papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de ton papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de tout cœur, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa, Et il m'a pardonné jamais. J'ai vu bien à travers. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh. Je suis dans la joie, une joie immense. Alléluia. Je suis dans l'émotion, je suis dans l'émotion, car Yahweh. Je suis dans la joie, une joie, émotion, car Yahweh, oh papa, est fidèle, il ne m'a abandonné jamais. Acclamons encore une fois de plus. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Maintenant, nous voulons faire nos annonces. Je rappelle à toute l'église les programmes de l'église. Lundi de 5h à 6h, nous avons notre temps de dévotion matinale sur la plateforme téléphonique dont les numéros s'affichent et les codes qui vont avec. Donnons-nous les moyens, donnons-nous la possibilité de nous lever. Faites une violence de se lever les matins pour recommander la semaine qui commence entre les mains du Seigneur. Nous avons des projets, nous avons des plans, nous organisons des choses. Mais si Dieu n'est pas dans nos projets, c'est difficile que ça réussisse. C'est pour ça qu'il est nécessaire de présenter tout ça au Seigneur pendant ces temps de dévotion matinale. Amen. Mardi de 19h à 20h30, nous avons notre culte d'études bibliques. Comme je l'ai dit souvent, Marie a choisi la bonne part qui était
de se mettre sous les pieds de Jésus et écouter ses enseignements. Venons et choisissons la bonne part pour apprendre la vie, pour apprendre ce que Dieu nous dit dans sa parole. On est là sur Zoom, les liens sont sur tous les groupes WhatsApp de l'église. Et si vous n'êtes pas dans un groupe de l'église, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un responsable pour qu'il vous communique les liens où nous nous réunissons pour partager autour de Dieu au travers de cette étude biblique. Vendredi de 19h à 20h30, nous avons notre culte d'intercession. Donnons-nous là encore les moyens de venir dans la maison du Seigneur intercéder. La Bible déclare qu'il cherche un intercesseur, quelqu'un qui peut se tenir devant la brèche pour prier en faveur d'eux. Je prie vraiment que vous puissiez vous lever, je prie vraiment que nous puissions nous lever autant que nous sommes là aujourd'hui. Ça serait une bonne chose que vendredi nous puissions être pareils dans la présence du Seigneur pour prier pour nous. On sait bien qu'il y a parfois les travails, les études, mais les temps c'est créé. Il faut créer les temps pour les seigneurs et les seigneurs se souviendra de vous. Samedi de 5h à 6h, là encore nous avons dévotion matinale sur la même plateforme. Là c'est pour dire merci au Seigneur pour toute la semaine qu'il nous a donné, toutes les bonnes choses qu'il a fait pour nous. Le fait d'être en vie, ce n'est pas une habitude, mais c'est la grâce que Dieu nous accorde quotidiennement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, qui sont peut-être mieux que nous, qui ont peut-être plus d'argent que nous, mais nous, la grâce de Dieu fait en sorte que nous soyons encore en vie. Ce n'est pas un fait de hasard, mais c'est parce qu'il sait pourquoi et il a choisi que nous soyons là. Samedi, de 10h30 à midi, il y a notre culte de jeunesse en présentiel. Mais exceptionnellement pour ce samedi, ce culte n'aura pas lieu. Comme vous le savez, l'église a un programme ce jour-là, ce qui fait que le programme de la jeunesse sera reporté, disons avancé d'ailleurs, pour mercredi de 19h à 20h sur Zoom. Les jeunes, donnons-nous aussi là encore l'occasion de participer à ces temps de partage, de communion fraternelle. Dieu ne manquera pas de déverser sa bénédiction sur nous. Amen. Chaque premier et troisième vendredi et samedi du mois, le groupe d'évangélisation a un programme d'évangélisation. On se retrouve tous ici à l'église les vendredis de 10 à 17h30 et les samedis à 14h pour aller évangéliser ensemble. Le responsable, le frère Francis, il est juste là devant. Si vous êtes intéressé, en principe vous devez être intéressé, rapprochez-vous du responsable pour vous organiser à pouvoir prendre part à l'évangélisation. Parce que c'est une recommandation du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Dimanche de 10h à midi, nous avons notre culte dominical en présentiel comme aujourd'hui. Nous sommes là dans la présence du Seigneur. Encourageons les frères et sœurs que vous ne voyez pas à l'église à être là. Exhortez-les, appelez-les, demandez-leur pourquoi ils ne sont pas là. Et s'il faut prier pour eux, n'hésitez pas. Et s'il y a un besoin particulier, n'hésitez pas à remonter la nouvelle auprès des responsables et du pasteur si vous le pouvez. Amen. Programme spécial de l'église, c'est vendredi 28 octobre et samedi 29 octobre. Vendredi, ça serait de 17h30 à 18h30 et samedi, ça serait de 13h30 à 14h30. L'évangélisation organise un programme particulier pour soutenir notre journée du 29. Donc, ça serait bien que nous puissions venir participer, évangéliser, pour permettre à plusieurs de participer à ces temps de prière pour que leur vie soit sauvée, pour que leur famille soit sauvée, pour que Dieu les protège à cette fin d'année que nous entamons. Amen. Donc je répète, vendredi 28 octobre de 17h30 à 18h30, c'est vendredi, nous avons évangélisation et les samedis 29 octobre, 13h30 à 14h30, nous avons aussi un programme spécial d'évangélisation. Rapprochez-vous des responsables pour plus de détails. C'est les frères Francis, comme je venais de le dire. Samedi 29 octobre, nous avons une journée spéciale de jeûne et prière sur le thème « L'ennemi ne te surprendra pas ». Le but de cette réunion est de se tenir devant Dieu pour prier en faveur de nos vies,
en faveur de nos familles, en vue des plans de l'ennemi contre notre vie, contre notre famille, contre tout ce que nous possédons. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas parce que Dieu est avec vous que les diables arrêtent de faire les plans contre vous. Ce n'est pas parce que Dieu est avec nous que les diables arrêtent de donner les ordres contre nos vies. Nous, nous devons nous lever dans la prière. La présence de Dieu nous garantit que nous gagnerons certainement ces combats. Et nous, nous devons nous lever dans la prière pour rappeler à Dieu qu'il nous a promis qu'il menacera les dévoreurs s'il essaye de planifier des choses contre nous, s'il essaye de s'approcher de nous. Alors nous, notre devoir, c'est d'être là. Je disais aussi que c'est une journée de jeûne et prière, mais ce n'est pas une journée de grève de faim. Donc on ne dort pas à 3h du matin pour se réveiller à 14h30 et dire qu'on est gêné. Non, on se lève de bonne heure, on commence à prier, on médite, on est dans une attitude de jeûne et de prière et on vient les clôturer ici à l'église de 15h à 18h ensemble. Au nom de Jésus, dans la présence du Seigneur. La référence biblique qui nous a été donnée, c'est Malachie chapitre 3 verset 11. Pour vous, je menacerai les dévoreurs. Lisez ces passages, méditez dessus au nom de Jésus. Les églises des assemblées de Dieu organisent une retraite pour tous les responsables. Il y a une possibilité que les responsables viennent avec leurs conjoints. C'est du jeudi 10 au samedi 12 novembre 2022. Tous les détails sont sur le groupe WhatsApp des responsables. La date limite des inscriptions est prévue pour le 25 octobre. Hâtez-vous de vous inscrire, sinon vous n'aurez plus de place. Amen. Amen. Pour finir, le samedi 19 novembre 2022, de 15h à 17h, nous avons réunion des ouvriers à l'église avec les pasteurs. Frères et sœurs, vous qui œuvrez dans l'église et vous d'ailleurs qui aspirez aussi à travailler pour le Seigneur, c'est une occasion pour vous de venir, qu'on prie ensemble, qu'on partage des expériences, que nous puissions nous entretenir pour la gloire de Dieu. Cela fait en sorte que nous en prenions encore plus, cela fait en sorte que les ouvriers partagent des moments de prière ensemble pour que Dieu déverse sur nous son onction, sa puissance et son excellence dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Maintenant que les annonces sont finies, je ne pense avoir rien oublié. S'il y a des nouvelles personnes, vous pouvez vous lever là où vous êtes pour que nous puissions vous accueillir dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à l'église pour la première fois? Bonjour. Je me présente, c'est ça? Oui. Ok, je m'appelle Marie-Ange, c'est ma première fois ici, dans cette église-là. J'en ai déjà entendu parler. De base, je suis de Paris, pas forcément de la région lilloise, oui. Mais je fais mes études ici, et donc je voulais trouver une église pour me rapprocher du Seigneur pendant mes études et pas être désorientée. Voilà. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça. Sœur Marie-Ange, moi c'est les frères Néhémie. Et les responsables de l'évangélisation sont juste là, les frères Francis. Et notre pasteur et son épouse sont là devant, les pasteurs Alain et la sœur Sophie. En tout cas, on est heureux de vous accueillir. Cette maison sera la vôtre pendant tout le temps de votre scolarité. Et nous prions que Dieu puisse vous faire du bien pendant tout ce temps que vous allez passer avec nous. Et que vous puissiez connaître du succès dans vos études. Au nom de Jésus. Oui, bonjour, je suis Thierry Paul Zekokioff, je viens de Mulhouse. En fait, je suis en déplacement professionnel, je devais faire des semaines, mais moi j'avais oublié parce que nous faisons une semaine, lundi, vendredi, je rentre. Voilà pourquoi je suis resté là à Roubaix, j'ai cherché une église pour venir prier, je suis des ADD, je suis pasteur à Mulhouse. Ainsi qu'une église à Paris, une cellule plutôt. Donc, je suis des ensembles de Dieu au Congo. Là-bas, on a une de nos églises sœurs aussi. Le pasteur Safar est l'un de nos responsables de la mission.
au Congo. Donc, je me suis dit, je pars comme ça à aller prier. C'est pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Attendez. Merci, pasteur, pour votre présence. Nous sommes honorés par votre présence. Nos salutations à l'église quand vous retournerez, à nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté. Et ne partez pas vite quand le culte va finir. Le pasteur se fera le plaisir de vous accueillir dans son bureau après le culte. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, c'est la sœur Gaëlle. J'étais invitée par du coup, votre femme qui n'est pas là. Amen. Elle, je la représente, c'est la sœur Gaëlle, c'est l'amie à ma femme. Elle a été invitée par ma femme et ma femme vous salue, elle est malade, elle ne se sent pas bien, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Que Dieu te bénisse, sœur Gaëlle. Trouve dans cette église une famille pour toi et nous sommes heureux de t'accueillir. Si tu n'as pas d'assemblée où tu pries, cette assemblée te convient bien et cette place sera toujours pour toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Je m'appelle Daniel, j'ai 16 ans. On m'a invité ici pour venir, donc je suis venu pour la première fois. D'accord. Que Dieu te bénisse. Daniel, c'est ça? Que Dieu te bénisse aussi, frère Daniel. Comme je disais tout à l'heure, si tu as déjà une église où tu pars, passe nos salutations à l'église. Merci pour ta présence. Si tu ne pars encore nulle part, cette maison t'accueille à grand ouvert parce que c'est la maison de ton père. C'est ta maison maintenant. Cette place t'appartient. Tu peux toujours venir comme tu veux célébrer le Seigneur avec nous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier pour les nouvelles personnes? Prions que la grâce de Dieu soit sur eux. Prions que Dieu se souvienne d'eux. Prions que Dieu se souvienne de leurs voyages, de leurs activités, de leurs formations. Au nom de Jésus, que Dieu soit jaloux de leur jeunesse, de leur ministère pour certains. Lèvons nos voix et prions pour eux. Seigneur notre Dieu, nous prions. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour les personnes que tu as ramenées dans notre église. La Bible dit que, Seigneur notre Dieu, personne ne vient à toi si tu ne l'as pas appelé au préalable. Je prie que, Seigneur notre Dieu, ces personnes que tu as appelées et qui ont répondu favorablement à ton appel, qu'ils trouvent dans cette église une famille, qu'ils trouvent dans cette église une communauté, qu'ils trouvent dans cette église un havre de paix, Seigneur notre Dieu. Je prie pour toutes les personnes qui sont ici, mais qui ont, Seigneur notre Dieu, leurs églises. Je prie que leur retour, Seigneur notre Dieu, soit parchemé par ton sang, afin qu'ils rentrent en bonne et due forme comme ils sont venus, pour ta gloire au nom de Jésus. Nous te remercions, nous te louons, nous te rendons grâce. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vais inviter les pasteurs pour clôturer notre culte avant que nous puissions nous séparer. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci, nous avons terminé notre culte. Je voulais juste insister par rapport à la réunion du samedi. J'étais à Kinshasa, on était dans un temps de prière, je crois. Et il y a vraiment cette image qui m'est venue de voir qu'il y avait une forme de, bon, pas conclave, il y avait des personnes, mais il y avait d'autres qui avaient l'image, forme comme de léopards, et il y a deux qui se bataillaient pour quelque chose qui était là. Mais il y avait vraiment des échanges très violents. Et c'est là, il y a vraiment une voix qui m'est venue. J'ai entendu, il y a des décisions concernant des vies des gens qui se prennent alors loin, pendant que nous n'imaginons pas, nous dormons, pendant qu'on ne sait rien. Il y a des gens qui se réunissent, il y a des forces qui se réunissent afin de décider des sorts de nos vies. Nous, nous devons être de ceux-là qui se lèvent pour révoquer dans la prière tout sort décidé à l'encontre de nos vies ou de nos familles qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Père, nous voulons te dire merci.
Merci pour le renouvellement que tu opères dans nos vies au travers de ta parole et ton Esprit Saint. Merci pour le bien que tu nous as fait encore ce matin. Alors que nous sommes à la fin de notre réunion, nous prions que ta paix et ta grâce nous accompagnent en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu vous bénisse et très bon dimanche. Merci.